Yo les gars, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une autre vidéo sur Spider-Man. Je viens de finir toutes les photos secrètes, j'ai obtenu ce costume. Et donc du coup les gars, je vais vous faire un petit gameplay avec. Par contre, je vais débrancher le micro parce que chez moi il y a l'aspirateur et c'est quand même relou. J'avais mis... Voilà. Donc les gars, je débranche vite fait mon micro. Et je vous fais des parties, je vais faire des défis. Et... Réservons le droit de ne pas servir et d'expulser les criminels. C'est écrit juste là. L'arrestation de Fisk a fait ressortir toute la vermine des bas-fonds. Attendez, te dérange pas. J'arrive pas à croire que Spider-Man ait fini par gagner. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. C'est lui ! C'est un mauvais pressentiment. Je vais devenir capitaine. Oh non, en voilà d'autres. Spider-Man, on a finalement arrêté 4 trafiquants d'armes dans un rayon de 3 pâtés de maison autour du chantier. Du trafic d'armes? Je vais voir ce que je peux faire pour bloquer l'approvisionnement. S'ils ont dû appeler leurs copains.
un autre. Bienvenue à la fête. Laissez vos chaussures à la porte, sauf si vous n'avez pas de chaussettes. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème? Entourez-le! Qui a envie de se rendre? Personne? L'endroit est condamné, capitaine. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Fisk disparaît, et soudainement, c'est la foire du crime. Vous irez tous en prison. Et je doute que vous soyez meilleurs en évasion qu'en effraction. Mieux de te coucher. Il a besoin de te détendre un peu. Spider-Man est là. Voir mal.
types qui sortent tout juste du raft? Ils ont l'air pressés d'y retourner. Fort. Franchement, vous vous rendez pas service pour la conditionnelle. Spider-Man, on nous signale des coups de feu. Je confirme. En revanche, ils font aucune victime. Il faut que ça continue comme ça. Vu que je suis la seule cible qu'ils visent, c'est complètement dans la bonne optique. Eh, hey, c'est pas triste qu'une bande de criminels ait plus d'amis que moi? Juste une fois qu'un groupe se joigne à la bagarre à mes côtés. Allez, même s'ils sont neutres, je prends. Capitaine, les évadés et leurs flingues vous attendent dans de jolies petites toiles. Merci. On n'aurait jamais pu les arrêter sans dommages collatéraux. J'espère que les locaux en sont conscients. C'est toujours un plaisir de faire capoter une bande de drogue.
Bonne patrouille, mais j'ai un avantage. C'est un repère de trafiquants d'armes, à mon avis. Et au risque de te surprendre, elles n'ont rien de très artisanal. Nos hipsters assassins vont être déçus. C'est pas que ça me gonfle de vous voir débarquer, c'est que... Ah bah non, attendez. Eh si, 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 ça me gonfle. Encore des démons! Ça vous dirait pas qu'on mette les choses à plat autour d'un café? MJ, tu peux appeler la police. Le site est sécurisé. Bien joué. Chaque fois qu'on arrive à retirer des armes de la circulation, c'est une victoire. C'est un sacré accident, ça. Ça a l'air grave. Quelqu'un est coincé sous ce véhicule. Pas de panique, je suis là.
c'est presque. Hey, Spider-Man, c'est des types qui ont braqué un magasin. Le conducteur devait être défoncé. C'est lui qui a causé ce carnage. Il faut que je trouve ceux qui ont fait ça. Ils doivent encore être dans le coin. Je vais les perdre! Il faut que je me dépêche! Hé! Hey, j'espère qu'ils vont rester des points sur votre permis! C'était très vilain là-bas! L'impression de perdre pied, c'est que je t'ai entouré. Panier. Hey, qui est là? Central, quelque chose, j'ai trouvé procédé un contrôle. Spider-Man, attaquez! Central, j'ai vu quelque chose. On va bien se marrer. Thank you.
réaliser qu'il y a de vrais criminels dans la région. Spider-Man, vos doutes étaient fondés. Les personnes expulsées dorment dans des refuges ou directement dans la rue. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une parole? Ces agents de SAD ont la chance de porter des protections parce que je risque de perdre mon sang-froid. Du monde! Vous savez, pour un prestataire privé, je vous trouve quand même sans gêne! Plus difficile que je l'aurais cru. Merci. Capitaine, les gens qui étaient détenus regagnent maintenant leurs appartements. Parfait. Et j'ai réussi à faire entendre au cabinet du maire que de mettre des électeurs à la rue n'était pas dans leur intérêt. Ça n'arrivera donc plus. Bon voilà les gars, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et surtout je vous dis ciao ciao.